viens de recevoir un rapport concernant le centre de contrôle du Soleil Noir. Il est relié à l'ancien réseau de défense Option Zéro, et il semblerait que certaines armes soient encore opérationnelles. Celui qui contrôlera le centre pourra utiliser le système de défense. Capturez le centre de commandement le premier. Terminé. Vous êtes un lâche. De l'ordre a pris possession du centre de commandement. Terminé. Le temps de la princesse est révolu. Kayle nous guide à présent. Le commandeur de l'ordre est neutralisé. Terminé. Lancement stratégique détecté. Vous avez capturé le centre de commandement, mais il ne reste qu'un lanceur opérationnel. Lorsqu'un lanceur nucléaire est prêt, utilisez le bouton signal de commandement pour placer un marqueur. Le missile nucléaire sera alors lancé sur la cible. Terminé.
commandeur, vous devez arrêter le brigadier général Fletcher. Cette mission ne doit pas être perturbée. Terminé. Vous n'aviez pas le choix, commandeur. Les actions de Fletcher nous ont forcé la main. Poursuivez l'opération. Terminé. Voici l'arche. Détruisez-la. Fou. Il est trop tard. L'arche est terminée. Les Séraphim déferlent déjà sur la galaxie pour la purifier. Je sais pas depuis quand mon micro est coupé, donc... J'ai à peine de me rendre compte. Les senseurs indiquent une multitude d'unités en approche depuis la faille. C'est maintenant ou jamais. Bah pourquoi j'ai construit aussi mon omni-radar. Champion, le moment est venu. Montrez à l'ordre et à ses laquais la puissance des fidèles de la voie. Détruisez l'arche. Croisez Risa au rapport. Les Séraphim ont détruit une grande partie de la base. Pas le construire, prendra-t-il. J'ai fait de mon mieux pour le construire, mais je suis incapable de prendre l'offensive. Commandeur, vous êtes seul. Détruisez l'arche. QG terminé. Lancement stratégique détecté. Alors, je peux pas construire le bâtiment que je voulais construire. Alors, je vous explique que le dernier prototype, c'est comme vous aviez pu voir ici, c'est un lanceur de missiles stratégique. Le missile inflige beaucoup plus de dégâts qu'un missile stratégique standard. Je crois deux fois plus grand, la zone d'effondration. Mais en plus d'avoir une zone d'effondration plus grande, il faut deux missiles. Vous n'avez aucune chance contre nous. Comme ça pour arrêter. Les Séraphims sont éternels. Détruisez les humains. À vos ordres. Faites taire cet alien, commandeur. Avec un missile nucléaire de préférence. Terminé. Ouais, voilà, même avis dessus. Vous n'avez rien accompli. Vous ne nous vaincrez jamais. Gloire à la princesse. Un alien de moi. QG terminé. Voilà.
façon, il faut pas plus. Hein. De toute façon, ici, vous voyez la zone de défloration. Hein. C'est gigantesque. Ah. Donc mon excuse, hein, que vous n'étiez pas activé avant. Ah oui, j'oubliais qu'il s'auto-régénérait le portail. Parce que sinon c'était trop simple. Ah bon, c'est pas un problème. Hein. Généralement, une fois que vous êtes dessus, vous... L'arche vacille, elle peut s'effondrer à tout moment. Ouais, après, Risa elle va essayer de reconstruire un peu, mais bon, vous avez remarqué, elle s'est pris 3 missiles nucléaires expérimentales, ce qui fait énormément de dégâts. L'arche est détruite! L'arche est détruite! Je serai là d'ici peu, commandeur. Il est temps que tout ça se termine. Ouais, t'as bon, on a balancé un sort dessus, ça a quasiment marché. Hein. La princesse n'est plus. Aucun signe de sa dépouille. C'est bien évidemment un jour de grande tristesse et de deuil. Mais n'oublions jamais ce que représentait la princesse, l'avenir qu'elle voulait pour son peuple. Jusqu'au dernier souffle, nous nous battrons en son nom. Ne pas le faire serait une insulte à sa mémoire et à son sacrifice. Et c'est pour cela que malgré notre épuisement, et malgré notre douleur, nous pourchasserons et nous éliminerons les traîtres restés fidèles à l'ordre. Nous détruirons les derniers groupes de résistance Séraphim, un à un. Nous nous assurerons qu'ils ne représentent vraiment plus aucune menace pour l'humanité. Et quand nous aurons gagné la dernière bataille contre les forces corrompues de l'ordre et des Séraphim, nous pourrons enfin déposer les armes. À partir de ce jour, la voie permettra de promouvoir paix et harmonie. Et elle ne sera plus jamais utilisée comme une arme ou comme prétexte au meurtre et à la guerre. C'est le chemin que notre princesse a tracé pour nous. Et c'est le chemin que nous emprunterons. Voilà, c'est ainsi que nous terminons pour de bon ce premier point de Forgotten Alliance. Je m'excuse d'avoir oublié d'activer mon micro pendant le moment de la vidéo. On verra bien pendant combien de temps il est inactif, donc navré pour ça. Alors en tout cas, Izaon est la faction la plus fumée du jeu, on va pas nier. C'est la seule faction à avoir besoin juste d'un bâtiment pour avoir toutes les ressources qu'ils veulent. Hein. Donc c'est pour ça, dans une équipe de 4, vous en faites, il y en a un qui fait le paragon pour un... Vous pouvez donner vos bâtiments, il y en a un qui fait ça, il les donne à peu près à chacun des autres, et c'est bon, vous avez... Vous concentrez uniquement sur un militaire. Donc sur le late game, c'est indispensable. De plus, sur les unités de base, sont globalement assez... très puissants. Leur char de tech 2 est ultra résistant, a énormément de PV, notamment son bouclier, est très puissant. Son robot tech 3 est ultra puissant. De manière générale, ils ont une puissance de feu très importante. Ils ont
pas mal de résistance, ils ont des boucliers très, très efficaces. Leur prototype manque peut-être un peu de puissance de feu, manque peut-être un peu de punch. Ils sont peut-être assez, assez fragiles de manière générale. Notamment on voit leurs cuirassés ou leurs arcs qui sont assez fragiles, mais globalement cette fragilité est compensée par une puissance de feu ou un apport sur le champ de bataille énorme. Le fait que ça soit un porte-avions, vous avez énormément d'avions disponibles facilement. Le fait que le cuirassé naval, ben, il peut construire une mini-flotte si vous en avez besoin. Après bon, il y a le cause galactique qui contrebalance ça, hein, une force de frappe brute. Bon, je pense que leurs prototypes sont certes plus variés, mais ont peut-être une puissance de feu un peu en dessous des autres. Hein, ou il est un peu plus simple plutôt de les contrer par rapport aux autres factions. Mais globalement, je pense à une faction. C'est la faction, je pense, la plus équilibrée. Il y a moins. Quoique. La plus équilibrée. Je dirais même plutôt l'inverse. En fait, sa faction, peut-être même, la plus fumée. À cause de ce prototype de ressources expérimentales. Ce qui, personnellement, je pense que c'est une erreur des développeurs d'avoir mis ce parangon. Mais bon, ils ont voulu faire ce choix. Et un choix qui peut être discutable. Moi, je trouve que c'est une erreur. Ça déséquilibre le gameplay du jeu. Mais bon, chacun après aura son avis dessus. Rétablissement des algorithmes primaires de l'unité centrale. Algorithme primaire de l'unité centrale opérationnelle. Tous les systèmes activés. Diagnostic terminé. Instruction primaire reconnue. Exécution. La faille est scellée et l'ordre est en fuite. Malheureusement, nul signe de la princesse Burke. Nous continuons les recherches. Donc je vous dis à une prochaine fois pour un autre talk food. D'ici là, portez-vous bien. Et à tout le monde, encore merci d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie.